Et la terre, le secours me vient.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis bien-aimés, bonsoir. Que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes contents pour que nous soyons capables de saluer une nouvelle semaine. Et moi, souhaiter que la première journée de la semaine vous a été favorable parce que notre Dieu Tout-Puissant est toujours à notre côté pour nous protéger et pour nous défendre. Donc, vous êtes branchés à l'heure de la délivrance. Et nous espérons que le moment que nous allons passer dans pied maintenant, il va agréable, il va profitable pour nous à tous égards. Soit à toutes amies qui déjà branchées sur Facebook, nous comptons que vous branchez et nous comptons que vous déjà commencé à partager page. Donc, nous souhaitons bienvenue, une bonne adoration et une bonne participation à service dans Assoyant. Donc, l'heure de la délivrance comptant pour que nous soyons capables de rentrer la caillou en ce premier jour de la semaine. Pour que nous débutions le service, je vous invite au côté que nous avons chanté ensemble au numéro 24 des hymnes et louanges. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout lieu. Alléluia, louange à Dieu. Chrétiens, célébrons en tout lieu. Son nom et sa puissance. Bénissons ce Dieu créateur, chantons son règne et sa grandeur, exaltons sa clémence. Alléluia, Fils Sauveur de l'homme, Christ imminent, reçois notre hommage. Pénétré de ta charité, ton peuple par toi racheté, te bénis d'âge. Alléluia, Céleste Esprit, de notre cœur humble et contrit, accepte la prière, qu'à toi seul, enfin consacré, il soit ta joie. Mais pénétré de ta vive lumière. Alléluia, Dieu trois fois saint, que ton auguste nom on soit craint par tous ceux qui respire, règne sur ton peuple à jamais, et que tout l'univers en paix adore ton Et maintenant, mesdames, messieurs, m'avez invité au côté que nous appelons ensemble le psaume 108, puis après la lecture, la prière d'ouverture sera faite par notre bien-aimée sœur Mani Saint-Fleur. Mais juste avant, nous lisons le psaume 108. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai
Je ferai retentir mes instruments. C'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe. Je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, éternel. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre, afin que tes bien-aimés soient délivrés. Sauve, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succoth, à moi Galaad, à moi Manassé. Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave. Je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, comme toujours, quel que soit le côté que vous avez trouvé en ce moment, peut-être à travers les rues, retourner à la maison, peut-être au travail, dans un petit coin, ou à la maison. Eh bien, n'a demandé pour que vous preniez position pour la prière. Vous êtes capable d'agenouiller, incliner, postener. Ça dépend du côté courrier. Nous prions le Seigneur avec notre bien-aimée sœur Mani Saint-Fleur. Prions Dieu.
Café, oui, ni ton fait fruits. Papa Mère, il parlait de lui-même, mais il parlait directement de vous-même et de vous-même seul. Et puis c'est le Dieu veut pour nous, quand nous connaissons Dieu, notre bien de Dieu vivant. Nous passons la vie au Dieu mort. Nous passons la vie au Dieu qui est moi. Mais nous connaissons nous-mêmes qui est la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen, amen, amen. Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance, un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 11h à minuit. Et minuit, c'est l'heure de la délivrance. L'heure de la délivrance a été souhaitée, c'est avec regret, c'est avec beaucoup de peine. Que l'heure de la délivrance a souhaité yon lot condoléances et sympathie à la famille Jordan, à la famille Bouzy, à la famille Edouard, parce que yon lot cas encore, lot cas de mortalité dans même famille, non? Le père de la femme qui a été enterrée vendredi dernier, eh bien son père est mort. Donc c'est avec beaucoup de peine. Zamim, nous avons fait face à une situation qui est chaotique, une situation qui est terrible. Nous vivons aujourd'hui. Donc, je dis à mes bien-aimés, lorsque vous voyez que vous êtes bien vivant, vous voyez que le Seigneur les protège contre ce virus mortel, cruel, qui a fait rage, je dis, un peu partout à travers le monde, à chaque fois que nous tendez un cas qui arrivait, un cas de mortalité, surtout lorsque nous voyons une seule famille. Dans seule famille, il y a deux cas, il y a trois cas de mortalité. Donc ça a arraché que nous. Zamim, moi je dis ça pour que vous soyez capable d'apprécier le don de la vie. Le don de la vie que bon Dieu bail moi-même avec vous. Protection que le ban nous pour que nous soyons capables de survivre dans l'époque ça, époque terrible ça. Parce que nous sommes tous exposés. Ou à nos maquettes ou exposés. Ou à le docteur ou exposés. Ou sauter ou à marcher. Dans la rue ou exposés. Ou pas qu'on a qui ça que vous avez rencontré. Ou pas qu'on a qui le virus a entré. La caillou. Zamim. Donc nous avons besoin pour que nous soyons capables d'apprécier le moment que nous avons maintenant. C'est ça pour nous. Moment qu'on y a là, côté que vous attendez parole, bon Dieu. Bon monde, ça, aux amis, qui a passé chaque jour. Si que vous pas rangé la vie avec bon Dieu, it is too late. It too late. It trop tard pour vous. Donc, une fois encore, c'est avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, pour que nous recevions une nouvelle, ça y est. Donc, l'heure de la délivrance souhaitée à famille Sayo, du courage, de la sympathie et une profonde condoléance en ce moment de deuil. Zamim, pour que nous sommes capables, avant que nous entrions dans un petit moment de réflexion nous, avec le Seigneur, comme on connaît, nous, encore à l'exploration du livre d'Ézéchiel. Et ce soir, nous sommes arrivés au 12e chapitre du livre d'Ézéchiel. Il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles
qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point. Car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars de jour sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, et toi par le soir en leur présence, comme porte des exilés. Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage. Et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Je fis ce qui m'avait été ordonné. Je sortis de jour mes effets comme des effets de voyage. Le soir, je perçai la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit? Que fais-tu? Dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ce Torah concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que j'ai fait, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon rein sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens. Mais il ne le verra pas et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide, et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents, je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront, et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur les habitants de Jérusalem, dans la terre d'Israël, ils mangeront leur pain avec angoisse. Et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient, à cause de la violence de tout ce qu'il habite. Les villes peuplées seront détruites, et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifient ces discours, moqueurs, que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent. Et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je ferai cesser ces discours moqueurs. On ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur, au contraire, les jours approchent, et toutes les visions s'accompliront. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai. Ce que je dirai s'accomplira et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille de rebelles, je prononcerai une parole et je l'accomplirai, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël, dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi prend fin, mesdames et messieurs, la lecture du 12e chapitre du livre d'Ézéchiel. Zamim,
l'Éternel a menacé peuple là. Moun ki konn l'Éternel doux. Yes, l'Éternel est un Dieu doux, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté. Cependant, sa bonté ne dure pas jamais. Parce que, pas oublier, yon nan but objectif, liv Ezekiel nan, eh ben, li raconte nous, li présente à nous-mêmes les oracles du jugement de l'Éternel contre son peuple et contre les autres nations infidèles. Zamim, même message sa yo, même exhortation sa yo, yo à nous aujourd'hui, nous sommes des rebelles. Nous avons violé principe l'Éternel ban nous. Chaque jour, l'Éternel a cherché nous. Chaque jour, il voit monde pour parler avec nous. Il voit monde pour exhorter nous. Chaque jour. Mais en pile fois, nous faisons sous l'oreille. Zamim, gon le kabrive, la trop tard. Ou ap beau vle tende, ou pap katende. Ou ap ou ta vle oué, merveille mon Dieu, ou pap ka oué encore. Eh ben, le moment nous est propice. Le pour que nous prenons conscience nan. Le pour que nous repentions an. Le pour que nous changeons de direction an. C'est qu'on y a. Moment que ou ap tende ma parle avec ou an. Ou même, ça va ma parle. Moment ça, à soi. C'est dans moment ça où doit ressaisir. Parce que l'Éternel bon, il voulait que moi-même avec vous nous changer de direction, changer de comportement. À bon entendeur, salut. Et maintenant mes bien-aimés, pour que nous entrions dans cette zone de réflexion nous avec le Seigneur, nous avons chanté ensemble au numéro 243. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Oh, vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne. Heureux, profond et beau jamais, venez, Jésus pardonne. Jésus remplit un cœur. Il déborde de bonheur et les froids ne l'atteignent plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Jésus, Jésus, Jésus. Vous qui doutez du lendemain, Jésus rassure, pas à pas la main dans sa main, la route devient sûre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, la crainte ne l'atteint plus. Jésus, Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui nous revivrons, avec lui nous régnerons, et la mort ne se Jésus, Jésus, Jésus.
poursuivons avec le numéro 244. Où cherchez-vous le bonheur? Dans ce monde où tout passe, avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? Où cherchez-vous le bonheur dans ce monde où tout passe? Avez-vous en votre cœur pour Jésus une place? À votre porte il se tient, sans se lasser il revient. Pour Jésus votre sauveur, n'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Pour Jésus votre sauveur, n'avez-vous point de place? Si la souffrance est pour vous, ô merveilleuse grâce, lorsqu'il était à genoux, Dieu lui voilant la face, a de la sublime croix, n'entendez-vous pas la voix qui vous dit, pauvre pécheur, n'as-tu donc point de place? N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Ah, pour l'homme de douleur, n'avez-vous point de place? Si le monde a votre cœur, croyez-vous donc qu'il fasse jusqu'au bout votre tout passe. Oh, pendant qu'il en est temps, écoutez les doux accents de la voix du grand vainqueur, et faites-lui donc place. N'avez-vous point de place? N'avez-vous point de place? Jésus, le grand vainqueur, n'avez-vous point de place? Et maintenant, mes bien-aimés, ma invite pour que nous applions ensemble le psaume 25. Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront point confondus. Ceux-là seront confondus qui sont infidèles sans cause. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité, instruis-moi. Car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. Éternel, souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel le montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi car je suis abandonné, malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés.
Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus quand Dieu cherche auprès de toi mon refuge. Que l'innocence et la droiture me protègent quand Dieu met en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre-nous de toutes nos détresses. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, juste avant que nous passions dans la prière de confession qui sera présentée ce soir par notre bien-aimé frère Colbert Saint-Fleur, nous avons chanté un couplet du numéro 281. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais, mais en vain. Plongé dans un bourbier de fange, je me débattais. T'aimais en vain quand Jésus vint. Mystère étrange, me saisir par la main. Durant ta bible, il me sauva. Son sang tout mais forfait lava. À Christ uni, je suis béni. Par l'œuvre du mon Golgotha. Prions le Seigneur. Amen. Son éternel qui nous protégera. Et déjà dit, son éternel qui nous protégera. Notre Seigneur et notre Dieu. Au nom de Jésus, notre Sauveur, notre Rédempteur, nous voici humblement ce soir, premier jour de la semaine, nos heures, on est bien réclusés pour faire monter vers toi notre vie louange, nos remerciements et d'action de grâce, pour grâce au pour monter où. Qui va être épuisé, pour compassion, qui va être du terme, et à ce moment, déposé au pied de la croix, nos péchés, nos culpabilités, nos imperfections de toutes sortes. Seigneur, ouvrons envers nous, ou gardez-nous, ou protégez-nous comme la prunelle de ton œil. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée qui permet de nous passer sous protection. Nous remercions, Seigneur, pour l'air qui nous respire. Nous remercions pour la nourriture que tu nous as donnée. Nous remercions pour la santé. Nous n'en plus dans les biens. Pour nous, ma assurée, mon nom pas capable d'exalter le monde, mon rabon bois, mon rabon orange, c'est nous vivants, qui capables d'orange, qui capables de raconter à d'autres les bienfaits pour multiplier à notre faveur. Nous m'en assurer que nous avons qu'on est capable de prêcher les oreilles, qu'on est capable d'entendre les cris de tes enfants. Il permet au Dieu que nous tous qui sommes vivants, même que nous faisons effort pour que vous ne sommeillez pas, pour que vous allez, pour que vous ne soyez pas en haut d'exhortation, ouvrir, ballon par nos serviteurs, pour que nous soyons capables de faire des conseils pratiques. Et préparez-nous, Seigneur, pour te rencontrer lorsque tu reviendras dans ton oreille. Seigneur, nous sentons-nous fatigués, mais bon, ça. La peur envahit nous, parce que c'est mauvaise nouvelle que la foi de part et d'autre. Où c'est nous capoter une bonne nouvelle, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Nous voulons aussi faire que nous capables entre nous. Aidez-nous, Seigneur, à faire ta volonté
prière du Saint-Esprit, seul capable de nous aider dans le monde ça qui, à l'envers, tout à l'envers, fait que nos yeux soient fixés sur toi et sur toi seul, et permet au Dieu que chaque jour, nous faisons examen de conscience pour nous prouver. Ça nous fait du mal, nous sommes capables d'abandonner. Et nous sommes capables d'abandonner une nouvelle chance pour nous capables de marcher avec vous et vivre pour vous et pour vous seuls. Et merci pour tes grâces paternelles. Merci pour la nourriture que tu nous as donnée. Merci pour que tu sois jaloux, pour prendre nous et à cela, nous voulons déposer au pied de la croix. Péchez-nous, culpabilisez-nous et perfectionnez-nous de toutes sortes. Et permet au Dieu de nous capables de grâce devant tes yeux et donnez-nous, Seigneur, une nouvelle page dans notre vie. Il permet de nous avoir marché avec vous, comme Enoch est marché avec vous. Et au grand jour de ton avènement, que nous soyons racontés au nom des sauvés. Que Dieu bénisse le pasteur et sa famille, les enfants et arrière-petits-enfants. Couvre le pasteur avec votre grâce. Manteau de justice, cachez-nous, Seigneur, dans le pauvre numéro. Cachez-nous dans le pain, ou à vous, Seigneur. Parce que le monde, nous par contre, côté de la trouver, parce que tout le monde a vu de la peur. Nous, quand vous faites promesse à nous, nous disons tout sur la vie, ou bien la vie. Nous demandons, Seigneur, faire capable, faire. Lève ta grâce avec le péché, parce que nous ne pouvons pas qu'il est la mort à frapper les portes que nous. Mais nous voulons, Papa, permettre que nous soyons fixés sur toi et sur toi seul, et permettre que chaque jour, que nous soyons capables de repentir, abandonner, délaisser et venir aux vies nouvelles en Jésus-Christ. On va communiquer par terre les dons spirituels. On va bailler le Saint-Esprit, puis capable d'exhorter nous, les chrétiens, les Trois-Églises, Bethesda, Bethel, Mourijac, et tous nos frères et sœurs amis qui nous lient, Seigneur, permet que nous capables de faire un examen. Et si nous sommes capables de laisser et abandonner nous entièrement à l'Éternel, et que l'Éternel est capable de pitié de nous, si c'est volonté, et si, Seigneur, même si nous n'avons pas frappé dans le là, nous allons inscrire-nous dans le livre de vie, et permettre que nous sommes capables, parmi les sauvés, et que nous sommes capables de vivre avec nous dans les années qui sont venues. Avec nous, avec les malades dans nos mains, nous pouvons aussi être capables de visiter la famille jeune, à la personne de Sœur Karine et lui, visiter tous nos frères et sœurs qui malades. Pour dire son vie au Seigneur, cachez-nous et permettre que pour Dieu, on soit capable de faire mal. Nous sommes capables de rétablir et de décider de nous capables de voir au meilleur moment qui appartient à nous-mêmes. Avec nos frères et sœurs qui frappent par la perte de ses parents et de la famille de la chambre par les âges, famille Jordan, famille Bouzy, famille Pierre, nous allons essayer de construire et de permettre que le Jésus soit fixé sur toi. Et un grand jour, il n'est pas trop loin, et Jésus a parlé des faits,
à la mort, il y a plus de séparation. Nous serons avec Jésus-Christ dans le ciel pour l'éternité. Bénis la vie devant nous. Faites passer une bonne aujourd'hui et bénis la semaine qui se voit devant nous. Cachez-nous, Seigneur, dans le pauvre mémo. Cachez pas faire derrière la croix. Cachez pas dormir. Cachez tout le monde qui a travaillé à l'hôpital. Prends direction vie à l'Éternel. Fais pour nous porter la vie de notre monde. Avec le pardon de nos péchés. Tout droit, tout honneur, t'en réunirons par Jésus notre Seigneur. Amen. 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 Vous êtes branchés à l'heure de la délivrance. Un programme diffusé chaque jour sur les réseaux, du dimanche au vendredi de 11h à minuit. Eh bien, à toutes les amies qui à peine monté sur les réseaux, nous souhaitons que vous capable passer un bon moment dans le reste du programme. Non. Mes chers amis bien-aimés, comme vous connaissez, nous encore dans la méditation du livre Les événements des derniers jours, qui écrit par la servante du Seigneur, Ellen G. White. Eh bien, nous presque arrivés dans la fin. Nous presque arrivés dans le dernier chapitre, non? Nous sommes au 19e chapitre et à la fin du 19e chapitre. Dernièrement, lorsque nous étions jeudi dernier, nous te montrons que qui Jean, méchant yo, les réprouvés, les incrédules qui Jean que on va détruire et le fait que on va détruire les constituer comme un acte de miséricorde parce que bon Dieu pas capable quitter méchant yo rebelle yo réprouvé yo incrédule yo bon Dieu pas capable quitter à vivre pour tout temps gain temps dans la méchanceté. Dans paragraphe 1016, il dit « Ceux dont le cœur est rempli de haine envers Dieu, qui est la vérité et la sainteté, pourraient-ils se mêler aux êtres célestes et se joindre à eux dans leur chant de louange? Pourraient-ils supporter la gloire de Dieu et de l'agneau? Non! Ces méchants-là, ces incrédules, ces rebelles, ils n'ont pas capable de contempler la gloire de Dieu. » Ils n'ont pas capable de mêler pour y chanter le cantique de l'agneau parce qu'ils ont méprisé bon Dieu. Ils ont méprisé parole bon Dieu. Servant t'en dit, ils ont bénéficié de plusieurs années de probation. Ils ont été en grand pile, l'heure qui passait, ils ont été en des paroles. Ils ont été en des mouns comme moi-même qui a parlé chaque soir. A exhorté chaque soir. Mais vous êtes méprisé par vous. Mon sa yo pas capable de contempler la face de Dieu. Il est trop tard pour eux. Une vie de rébellion contre Dieu les a rendus inaptes au ciel. Sa pureté, sa sainteté, sa paix constitueraient une torture pour eux. La gloire de Dieu serait un feu dévorant. Ils auraient hâté de fuir ce lieu saint. La destruction serait pour eux bienvenue, parce qu'ils chercheraient à se cacher loin de la face de celui qui est mort pour les racheter. La destinée des réprouvés est arrêtée par leur propre choix. Leur exclusion des cieux est voulue d'eux-mêmes. Elle est juste et miséricordieuse de la part de Dieu. Zamim, comme on a toujours dit, si que un monde pas sauvé, si que un monde pas entré dans le ciel, non, c'est vous qui choisissez pour pas entrer. Parce que bon Dieu fait tout ça que l'on est capable. Il voit un monde sur tout. Il voit un monde venir parler avec vous. Parfois, dans l'arrogance péché, ou pas voulez un monde qui a exhorté. Si tellement au fond dans le péché, l'homme entre dans la plaie, ou sorti pour déchirer le monde. Ou sorti pour dévorer mon nom. Parce que mon nom a parlé la vérité. Li dit bagay qui blessé ou. Li dit bagay qui tombe dans blessure ou nan plaie ou nan. Eh bien, laisse ça fait.
au lieu que au compte mon nom, au lieu que au compte serviteur l'Éternel là, au besoin pour ressaisir de préférence. Au besoin pour que vous cherchiez l'Éternel et prenne décision pour servir, au lieu que vous avez problème avec moun qui a bon message là. Well, ou gen droit a gen problème à messager hein. Ou gen droit vle dévorer messager hein. Ou gen droit parler mal messager hein. Cependant, message nan li rete en vérité. Que ou vle tande, que ou pa vle tande, il rete yon message. Ou ka gen problème avèm. Ou ka fache avèm, ou ka critique. Ou ka di sa ou vle di de moi. Mais message que m'a ba ou, message l'Éternel, il demeure intact. Ou pas qu'à changer, non pas qu'à critiquer. C'est vrai qu'on dit, moun qui a marché avec mon Dieu, l'heure presque arrivé pour que yo capable prendre route pour le ciel. Il dit, les justes vivants sont changés en un instant et en un clin d'œil, selon 1 Corinthiens 15, 52. Lorsque Jésus-Christ retournait, Jean comme des dieux, les justes vivants va changer. Il va revêter de l'incorruptibilité, de l'immortalité, en même côté. Il y a une grande différence pour que vous soyez capable de comprendre. Ou même fait ce qu'a fait. Ou a toujours demeuré un pécheur. Ou a toujours une nature pécheresse en vous. Parce que c'est seulement les Christ tournés la capable changer ou la capable changer m'a breveté de l'incorruptibilité. Ça veut dire que m'a pas rien qui corrompu dans moi encore. Le péché pas existé dans moi encore lorsque Christ tournait. M'a transformé, m'a changé et c'est même moment m'a breveté de l'immortalité. M'a vin immortel, m'pa ka mouri encore. Ça veut dire zanmim, gen an pil moun ke m'kon tande ça, moi-même moi victime. An pil moun ki di oui, li pense que li bon, passe tout moun. Li pense que c'est lui-même qui pis saint passe tout moun. Zanmim koute. Pa gen yon moun ki saint sou terre. Pa gen moun ki saint. Abraham pa de saint. Noé pas de saint. Même Enoch. La Bible dit nous t'a marché avec l'Éternel, bon Dieu prend tout vivant. Et mais Enoch c'est ton péché le déye. Yes, parce que nature péché sainte dans lui-même. Il y a une grande différence lorsque on vive dans péché avec lorsque on a une nature qui pécheresse. C'est deux bagages différents. C'est ça que tout le monde dit tout le monde, un chrétien t'a doué pécher par accident. Yon chrétien ta doué voler par accident. On chrétien pas qu'à prendre plaisir à voler chaque jour. On chrétien ta doué faire un mensonge par accident. Ou pas qu'à vivre dans un mensonge chaque jour. On chrétien qui arrive tomber dans l'adultère. Mais on chrétien pas qu'à vivre dans l'adultère. Pas qu'à demeurer là-dedans. Puisque nature nous pécheresse. Nous sujet à tomber. Ou pas obligé de tomber. Mais ou sujet à tomber. Ou qu'à tomber. Cependant, l'or tombe, il faut ressaisir. Donc, il y a une grande différence lorsque vous avez une nature pécheresse que n'a toujours gagné jusqu'à ce que Christ tourne. Avec lorsque vous choisissez ou décidez volontairement pour baigner dans le péché. Eh bien, c'est mon sale. Qui a baigné dans le péché, qui choisit pour vivre dans le péché, c'est ou même les Christounais ou a couru, ou a dit montagne cachée, parce que li trop tard pour vous, ou pas qu'a changé encore. Parce que il trop tard pour vous. C'est vrai qu'on dit que un jour, il a chanté les Christ retournés, il a chanté que le Christ a vaincu. Dans le jour, ça les rachetés brilleront dans la gloire du Père et du Fils. Les anges vont jouer de leur harpe d'or. Recueilleront le roi les trophées de sa victoire. Ceux qui ont été lavés et blanchis dans le sang de l'agneau, un chant de triomphe retentira en remplissant les cieux. Le Christ a vaincu. Il entre dans les cœurs célestes, accompagné
de ses rachetés, témoin attestant que sa mission de souffrance et de sacrifice n'a pas été en vain. Ou a bien pile fête, en pile joie, pour que l'ange soit capable d'accueillir les rachetés, moun kap servi Christ, kap servi mon Dieu, parce que après que Jésus pat mouri pour grand Messie, avec amour inexprimable, Jésus accueille ses fidèles dans la joie de leur Seigneur, la joie du Sauveur, c'est de voir dans le royaume de gloire les âmes qui ont été sauvées par son agonie et son humiliation. Le Christ contemplera la récompense de son travail dans cette grande multitude que nul ne peut compter, qui est présenté sans faute en présence de sa gloire dans une joie débordante, lui dont le sang nous a rachetés et dont la vie nous a enseignés, verra le travail de son âme et il sera satisfait. Oh, nous va gagner en couronne. Nous va recevoir couronne nan main le Seigneur. Lorsque Christ retournait sur la mer de verre, les 54 000 se tenaient en formant un carré parfait. Certains d'entre eux portaient des couronnes très brillantes. D'autres les avaient moins brillantes. Certaines semblaient chargées d'âmes, tandis que d'autres n'en avaient que peu. Tous étaient parfaitement satisfaits de leur couronne. La couronne de vie sera brillante ou sombre, scintillera de nombreuses étoiles, ou ne sera éclairée que de quelques gemmes selon ce qu'on aura été notre action. Zamim, lorsque Christ tournait, nous va recevoir la couronne. Et pas gen yon moun kap entre dans le ciel là sans qu'on pas gen yon étoile dans couronne. Gen couronne kap plus brillante que l'autre. Gen couronne kap rempli l'étoile. Gen couronne kap gen un grain d'étoile. Gen kap gen deux. Cependant pas gen yon moun qui a capable gon couronne pour pas gon étoile là-dedans. Eh ben, au besoin pour ka ressaisir au moins parler à un monde du retour de Jésus. Au moins bailler un monde message trois anges là. Parce que si que ou pas gen couronne nan en étoile nan couronne, eh ben ou pas capable gen couronne nan même. Parce que pas gen couronne cap sans étoile. Eh bien, à bon entendeur, salut. Ainsi prend fin le 19e chapitre, l'avant-dernier chapitre du livre Les événements des derniers jours. Demain soir, ma bon plus. Et maintenant, mesdames, messieurs, pour que nous soyons capables d'entrer dans notre moment d'intercession, nous allons faire un petit louange pour le Seigneur. Côté que ma bévito, la chanteur numéro 515. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau, c'est le vrai repos. C'est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai repos. La plus de douleur cruelle, la plus d'angoisse mortelle, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, la plus d'écrasant fardeau. C'est le vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur. C'est à l'ombre de tes ailes qu'on trouve la paix. Les oiseaux dans leur nid frêle, sous les plumes maternelles, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix, ne s'épouvantent jamais. Ils dorment en paix. Vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les
Seigneur. Est à l'ombre de tes ailes qu'est le vrai bonheur. Toutes choses sont nouvelles, celle est éternelle. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Que d'être près de ton cœur, c'est le vrai bonheur. Vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur, vrai repos, paix parfaite et bonheur. Sous les ailes du Seigneur. Zamim, m'pa konnen ki sa ke wap fè fas nan la vi ou. Tandi ke nou a pen debute yon nouvel semen. Sepandan, chak jou, se mouvez nouvel ke nou ap tande. Chak jou, se plus problem ke nou ap wè sou zye nou. Ben, m'vin pou m'dzo ou menm ki kite sommeil ou menm chak swa gen moun depuis an mas dernye yo pa janm rate yon soare a lè de la delivrans chak swa. Ben, se ke ou gon bagay ki wap chèche nan nan de Seigneur, ou konnen ki es ki bon Dieu nou an, même lorsque ou fait confiance, ou a toujours fait face à des problèmes, à des difficultés. Mais rassurez-vous que li avec vous. Rassurez-vous que vous pas gagne pour peur rien, parce que Jésus est notre gouvernail. 596 flots mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Mugissants, flots en furie, entourez-moi, je n'ai pas peur. Quoi qu'il en soit, paix infinie, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Épressif écueil menace qui présageait de malheur, calme je puis vous voir en face, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Quel repos, Jésus. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Jour après jour, nouveaux orages, nouveaux périls, point de frayeur. Bientôt j'atteins le grand rivage, puisqu'à la barre est mon sauveur. Le gouvernail de ma nacelle. Quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus pour mon pilote,
pour moi tout est paix et bonheur. En sûreté mon esprit qui flotte, puisqu'à la barre est mon sauveur. Quel repos, quel repos, Jésus le tient. Si dans la nuit, mon cœur chancelle avec Jésus, avec Jésus, avec Jésus, oui, tout est bien. Avec Jésus, tout est bien. Et maintenant, ma bien vite au côté que nous allons lire ensemble le psaume 94. Dieu des vengeances, éternel, Dieu des vengeances, paraît. Lève-toi, juge de la terre, rends aux superbes selon leurs œuvres. Jusque à quand les méchants, éternel, jusque à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage. Ils égorgent la veuve et l'étranger. Ils assassinent les orphelins. Et ils disent, l'Éternel ne regarde pas. Le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, homme stupide, insensé. Quand serez-vous sage? Celui qui a planté l'oreille, n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, et il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage, car le jugement sera conforme à la justice, et tout ce dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand Dieu dit mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leur iniquité. Il les anéantira par leur méchanceté. L'Éternel, notre Dieu, les anéantira. Amen. Et maintenant, mesdames, messieurs, nous arrivons à un moment côté que nous allons passer dans la prière d'intercession, côté que nous allons crier dans pied l'Éternel. Nous allons frapper au chien. Oh oui, l'air frapper au chien. Faut joindre l'eau. L'air frapper au chien. Faut malade yo guéri. L'air frapper au chien. Faut Satan bord la paix. L'air frapper au chien. Faut Satan débloquer ou. L'air frapper au chien. Faut trouver guérison. Faut délivrer. Parce que l'Éternel est le rocher des âges. Oh oui, son nom est si doux. Son nom est si doux, son nom est précieux. Et en son nom, nous aurons la délivrance, nous aurons la guérison. 520, le nom de Jésus est si doux. Zamim, fais, Seigneur, la confiance. Tandis que nous allons prier, agis fort, ou même Satan fort peur. Ou même Satan bloqué ou. Ou même Satan fait macaque. La fort peur. La fort peur. La fort trembler. La Bible dit, l'apôtre Jacques a déclaré, résistez au diable et il fuira loin de nous. Aïe, vous devez résister. Résister, vous dit, ou devez goumer. C'est ça, résister, vous dit, ou devez goumer. Aïe, dit, Satan, pas quitte ou comme ça. Satan pas bon la paix comme ça. Au besoin pour que vous capable résister. Résister avec la puissance de Dieu ou résister.
c'est ça lié ou besoin pour gourmet parce que bon Dieu dit bon Dieu pas pral gourmet pour vous là li mande pour résister c'est pas li pral résister pour vous bon Dieu bon moyen pour résister résister au diable et il fuira loin de vous. Yes indeed. Alléluia. Par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, il fuira loin de vous. Le nom de Jésus est si doux. Le nom de Jésus est si doux. Le Dieu des âmes, le pauvre. Il nous appelle au rendez-vous. Précieux nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour tout. Béni dans tout puissant, quant à mon Père m'adressant, il répond à mon cri pressant. Par le beau nom de Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux don, Jésus, suprême rançon, sois adoré pour toujours. Prions le Seigneur. Ô éternel, Dieu des cieux, roi des rois, créateur et maître de l'univers. Au nom du sang versé de Jésus, par le sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, nous venons vers toi en ce moment. Nous nous approchons vers ton trône de grâce en ce moment. N'était-ce pas le sang de Jésus? Il nous serait impossible de nous présenter à toi. En dehors du sang de Jésus, nous ne sommes pas capables d'oser nous. Pour nous-mêmes, si tes noms soulèvent, non. Oh, nous venons devant en ce moment, oh notre Dieu, pour que nous soyons capables de dire merci pour ta bienveillance. Merci pour ton amour manifesté envers nous. Merci pour la protection que tu nous donnes au sein de cette pandémie mortelle et cruelle. Qui fait couler tant de larmes, qui fait couler tant de pleurs, qui met tant de séparation. Aussi que nous vivons aujourd'hui, c'est grâce à bienveillance. Si que nous sommes capables de louer non aujourd'hui, c'est grâce à bien faire envers nous. C'est grâce à ta protection. Oh, nous rappelons ça que Salmiste nous dit. Les morts, ils n'ont pas qu'à louer. C'est vivant qui a loué. Nous disons merci parce qu'aucun de nous n'a mis tant vivant. Merci parce qu'on a une opportunité pour que nous continuions à louer.
Oh, dans un moment ça, oh notre Dieu, moi, je voulais lever devant les familles qui pleurent en ce moment. Famille Jordan, Bouzi, Balisage, Edouard, et tant d'autres encore, tant d'autres familles qui a pleuré dans le moment ça que nous ne connaissons pas. C'est vous seul qui est le père de toute consolation. C'est vous seul qui a consolé. N'a pas demandé autant prix. Passez visiter. Consolez. Oh, dans le moment ça, nous voulons lever devant, Seigneur, tout si là qui couche en côté qui est malade. Gen qui malade depuis le virus n'a commencé. Gen qui fait un an couché en côté. Gen qui fait deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, yo couché son cabane de douleur. Gen papa, c'est moun qui fait tout bagay pour yo. Gen qui pas connaît qui joue que lié, qui moi que lié, qui année que lié. Ma pendant autant prie, Père secourable. Puisque pas gagnon cas qui dépasse ses compétences. Pas gagnon maladie qu'on pas capable guérir. Oh, si paralytique n'a été guéri après 38 ans couché son natte de douleur. Pas gagnon monde qu'on pas capable guérir. Il suffit qu'on voulait. Puisque c'est au grand monde. C'est au souverain. C'est au taureau. C'est au consac bon. Nous n'avons qu'à nous couper à tes ordres. Couper, nous couper à ta volonté. En pile fois, nous pas capable d'accepter volonté parce que dans les yeux, nous, ce n'est pas ça que nous t'attendons. Mais nous avons autant prié au notre Père. Permet que nous capables d'accepter volonté. Parce que c'est volonté qui est bon. Et c'est volonté qui a passé. Nous mettons battre aux gens que nous voulons battre. Nous mettons plein de gens que nous voulons plein. Volonté, c'est lui qui a passé. N'a pas de temps pour aider nous. Pour que nous capables toujours connecter à nous-mêmes. Quelle que soit la réponse que nous avons à joindre, à demander nous. Oh, en cet instant, Père, nous voulons lever devant toute petite qui branche sur le réseau. Ça, ça y est. Gen kap koute nous bien loin. Gen kap koute nous. Bien loin à travers le monde. Gen kap koute nou au Mexique. Gen kap koute nou au Brésil. Gen kap koute nou au Chili. Gen kap koute nou en Haïti. Gen kap koute nou Saint-Domingue. Dans tout état yo, lorsque vous branchez sur YouTube, vous voyez commentaire yo parce que y a suivre programme nan parce que vous connaissez une présence sur là. N'a pas de temps pri Père éternel. Moun sa yo, ou kon besoin yo. Ou kon sa ke yap fè face. Ou kon sa yap cherche nan men yo. Yo branché à service parce que yo ap cherche son bagay. Et gen an pile ko répond ou répond prière yo déjà. Gen an pile ki senti présence sou déjà. N'a pas de continuer. Fais merveille dans mitan peuple. Continue à faire miracle dans mitan peuple. Parce que nous connaissons que vous faites miracle pour les gens que vous voulez. Vous servez avec les gens que vous voulez. Jean vous voulez, leur vous voulez. Parce que c'est vous grand monde. C'est vous souverain. N'a pas de temps pour papa. Gagne un peu de monde qui sous réseau. Gagne un monde qui cherche son petit. Li gen longtemps la prend humiliation. Nan men famille Maril. Nan men zami. Yo bal tout sort de non poté. Mais moun sa l souligne nan père. Li fort confiance. N'a mande si c'est plan. Si c'est volonté ou même qui kon moun sa. M'a mande sécher de l'eau nan yeux l'année prochaine nan même le sa. Stoppez humiliation que la prend yo.
l'année prochaine, dans même le ça. Et moun sa yo, yo va songer que c'est vous qui délivrez. Que c'est vous qui séchez de l'eau dans les yeux. Et non, on va glorifier en retour. Ou bien l'autre qui sous le réseau. Ou bien l'autre Seigneur qui n'a pio dans le moment ça. Li gen un problème. Li gen sang. Kap pompe sous lui. Même j'ai avec jeune femme qui a eu hémorragie depuis 12 ans. Mon sal pas gen 12 ans lui-même. Sous te guéri femme qui a eu 12 ans avec sang. Moun sa souli na koni ala ki yon sans souli. Li gen problème. Ou ka guéri le tout. Parce que fort confiance. Li nan pyo. Ou gen lot sou réseau koni ala. Li gen problème. Li pa ka paye kay li. Li perd du travail li. La kole. Kole pied se. Pour payer Kaila, mon salam pio konya la, li a cause avec ou. Et li gen foi nan ou, sa fèl sou rezo. Ou même qui est le pouvoyeur de tous les âges, n'a pas de ou foule ou secou moun sa. Quel que soit moyen que ou vle utiliser pour sauver moun sa. Ou gen lot, qui pas qu'à dormir la nuit. Satan a fait peur, l'a fait vivre rêve. Li wè l'a tombé dans trou, li wè y a vinn prendre, li wè mort devant. Au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, si moun sa nan pio aswayan, si moun sa li nan pio aswayan, l'a crié nan pio, li croit que ou avec li. M'a mando s'il en est de ta volonté, Père éternel, pour que non glorifié, démasqué Satan nan kay moun sa. Met Satan dehors. Parce que côté Jésus bien siège li, Satan pas ka rete là. Satan ka tenté pour le passer. Parce qu'il gen ti grâce puissance. Mais au nom du sang versé de Jésus, puissance nouant les plus forts lorsque nous connectons avec Jésus de Nazareth. Alléluia. Pour que nous glorifions. Moun sa que Satan a déguisé pour le faire peur, démasquer Satan. Oh, grand lot sous réseau en papa. Gen plusieurs. Yo souffri cancer. Gen souffri cœur. C'est vous-même qui est le créateur. C'est vous qui t'es créé. C'est vous qui t'es créé organe qui dans yo. Si gen yon qui est infecté ou ka remplacer, souvle. L'ouvle, j'ouvle à n'importe quel moment parce que c'est vous grand monde. Pour que nom glorifié papa. Pour que tout le monde capable croire que c'est vous toi. Pour que tout le monde capable croire que ce n'est pas dans tant longtemps miracle qu'on fait. Miracle a fait jeudi en toujours. N'a pas d'eau. Agis. Soufflez. Souffle guérison. Ou bien en pile l'autre qui est malade. Avec coronavirus. N'a pas d'eau tant pis délivrer. Ou assoyez. Nous voulons demander une délivrance pour Ronald Saint-Just. À famille, n'a continué mando yon délivrance pour Maurice Duterval à famille, yon délivrance pour Élise Noël à famille, yon délivrance pour Kellen Philogène, délivrance pour Ali Jean-Baptiste à famille, délivrance pour Jeffrey, délivrance pour Dieumen Belfort à famille, délivrance pour Marie Prague à famille, délivrance pour Marie Lourde, délivrance pour Max André Ernest à famille, délivrance pour Whitney Lemel à famille, délivrance pour Lucita d'Aurélie à famille. Oh, en cette heure de la délivrance, n'a pas d'eau. Délivrance pour Marc Auguste, délivrance pour la petite Samuel, délivrance pour Osana Liancin et famille, délivrance pour Marie-Christine,
délivrance pour Jean Lestin, délivrance pour Joël, délivrance pour Joseph Kaimi ta famille, délivrance pour Emmanuel Etienne ta famille, délivrance pour Antenor Médor ta famille. Délivrance pour lui dit Saint-Fort à famille, délivrance pour Patricia à famille, délivrance pour Nandi à famille, délivrance pour Mona à famille, délivrance pour Daphné Kwasi à famille, délivrance pour Awol Kwasi. En ce moment de la délivrance, n'a pas de ou, yon miracle pour Maris Paul, yon miracle pour Dalen Paul, yon miracle pour Brisson Pirono, yon miracle pour Edwiana McLennan, yon miracle pour Eden Barrett. Yon miracle pour Judas Jackson. Yon miracle pour Marc Belfort. Yon miracle pour Onis Termeus. Yon miracle pour Vladimir Racius. Yon miracle pour Pasoula Jean-Charles. Oh, yon miracle pour Albert Amajus. Yon miracle pour Serette Prévillon. Yon miracle pour Katiana Famini. Yon miracle pour la famille McDonald. Yon miracle pour Serette Colère Famini. Yon miracle pour la famille Ulysse. Yon miracle pour la famille Saint-Ulysse. Yon miracle pour la famille Philo-Saint. En ce moment de la délivrance, n'apando yon miracle pour la famille Montina, yon miracle pour Ozen Jacques ak famini, yon miracle pour Yvel Garçon ak famini, yon miracle pour Yvette Duterval, yon miracle pour Marcel Aurélien, yon miracle pour Nadia Augustin, yon miracle pour Marcel Augustin, yon miracle pour Bethsaida Massena, yon miracle pour Martine Saint-Just, yon miracle pour Sherline Sylvain ak famini, yon miracle pour Kellen Benoît ak famini, yon miracle pour Pasteur Fénon Destin ak famini, yon miracle pour Eriline Metellus ak famini, yon miracle pour Inode Guerri ak famini. En cette heure de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Yonel Dorelli, yon miracle pour Lionel Joseph et famille, yon miracle pour Markelli, yon miracle pour Linda Duval, yon miracle pour Anicia Desrosiers, yon miracle pour Carlo Jérôme, yon miracle pour Ginette Basile et famille, yon miracle pour Andy Metellus, yon miracle pour Mirland Saint-Cyr, yon miracle pour Niveline Parisien. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Sidoine Géraud, yon miracle pour Roberto Osier, yon miracle pour Pasteur Jimmy Jean-Baptiste et famille, yon miracle pour Jessica Latonelle, yon miracle pour Rose Docteur, yon miracle pour Jonathan Lebon, yon miracle pour Marie-Tony, yon miracle pour Annie Parisien, yon miracle pour Mia. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Ilan Devray et famille, yon miracle pour Marie-Claire, yon miracle pour Guerlain Ulysse et famille, yon miracle pour Nehemiah Fontaine, yon miracle pour Benoît Derifon et famille, yon miracle pour Marilyn Castin, yon miracle pour Juline Placide, yon miracle pour Michael Placide, yon miracle pour Paul Nakajus, yon miracle pour Mackenzie Lee, yon miracle pour Elysia Valérie. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Elijah, yon miracle pour Benito lui, yon miracle pour Joshua lui, yon miracle pour Berlin Joseph ak famini, yon miracle pour la famille Petit Homme, yon miracle pour Valency, yon miracle pour Jacqueline Exumé, yon miracle pour Betty Jordan, yon miracle pour la famille Jordan, yon miracle pour la famille Edouard, yon miracle pour Elifet Balisage, yon miracle pour la famille François, yon miracle pour Yolin Etienne, yon miracle pour Adèle Etienne, yon miracle pour Marie Bochla, yon miracle pour Elie Jean, yon miracle pour Caroline Jean. Yon miracle pour Agnès Pirono. Yon miracle pour Jolie Saint-Vilus. Yon miracle pour Cynthia Petit Homme. Yon miracle pour Marie-Kelly Joseph. Yon miracle pour Gerlin Absalon. Yon miracle pour la famille René. Yon miracle pour la famille Joseph. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Marley. N'a pas d'eau, yon miracle pour la sœur Armand. Yon miracle pour Janel Dulhomme. Yon miracle pour Marie-André, yon miracle pour Wisdit Civil, yon miracle pour Jean-Tony, yon miracle pour Wisdit Civil, yon miracle pour Yassine Jenkins, yon miracle pour Edna Majus, yon miracle pour Wilder Pacom, yon miracle pour Jules Nakajus. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Martine Limage, yon miracle pour Michelet Dubisson et famille, yon miracle pour Judith Phileus et famille, yon miracle pour Magali Etienne, yon miracle pour Claude Etienne, yon miracle pour Martine Jean et famille, yon miracle pour Ankens, yon miracle pour Franz Simon, yon miracle pour Fernel Valérie, yon miracle pour Nicole Exil, yon miracle pour Anthony. En ce moment de la délivrance, n'a pas d'eau, yon miracle pour Frances Excellent, yon miracle pour Kerline Telusme, yon miracle pour Sam Elie et famille, yon miracle pour la famille Salomon, yon miracle pour Mimo Jérôme et famille, yon miracle pour Roseline, yon miracle pour Judnel Mirtil, yon miracle pour McDaniel Mirtil, yon miracle pour Gaël Mirtil, yon miracle pour Rendel Pierre, yon miracle pour Widel Nicolas Pierre, yon miracle pour Den Pierre. En ce moment de la délivrance,
Napando yon mirakouel vani Pierre Louis et famille. Yon mirakou que la François. Yon mirakou Marie-Thérèse Faustin. Yon mirakou la famille Félix. Yon mirakou Dadelicha Félix. Yon mirakou Roselyne La Rose. Yon mirakou Carole Estimé. Yon mirakou Stéphane Baptiste. Yon mirakou Naïcha Baptiste. À ce moment de la délivrance. Napando yon mirakou Joël Charles. Yon mirakou Pasteur Joël. Yon mirakou la famille Mon Premier. Yon mirakou la famille Osier. Yon mirakou Neika Louis Washington. Yon mirakou Stéphane Alphonse. Yon mirakou Steven Saint-Just. Yon mirakou la famille Géraud. Yon mirakou Michael Julie Sajan. Yon mirakou Gary Joseph. Yon mirakou Pasteur Henri Monval. Yon mirakou la famille Belamon. Yon mirakou Fabiola Belamon. Yon mirakou Janine Valérie. En ce moment de la délivrance, napando yon mirakou Hermia Valérie. Yon mirakou Kempes Prévillon. Yon mirakou la sœur Adrien. Yon mirakou Claire Denise Andréville. Yon mirakou Julien Talousme. Yon mirakou la Merci Charles. Yon mirakou Osana Exantus et famille. En ce moment de la délivrance, napando yon mirakou Liliane et famille. Yon mirakou Jean Wadner Jean-Baptiste. Yon mirakou Ashlyn Jean-Noël. Yon mirakou Whitney Syria. Yon mirakou Anitance. Yon mirakou la forêt Maxi Ferré. Yon mirakou Roseland lui. Yon mirakou Carlin lui. Yon mirakou Myrlène Doris Carr. En ce moment de la délivrance, napando yon mirakou Juan Carlos. Yon mirakou Widlin Augustin. Yon mirakou François Duméran et famille. Yon mirakou Bachena Duméran. Yon mirakou la famille Fleurant. Yon mirakou Juliana Augustin. En ce moment de la délivrance, napando yon mirakou Staël Lavoisier. Yon mirakou Fanny Cible. Yon mirakou Pasteur Daniel Ménard. Yon mirakou Lumen Dorsenville. Yon mirakou Maxi Vincent. Yon mirakou Olric Ledix. Yon mirakou Lémi Bernard. Oh Dieu des cieux, en ce moment de la délivrance, grand pilote qui besoin en délivrance. Yon besoin merveille faite dans la vie. Non pas genon yo, mais peu importe ou genon yo, ou kon kote yo ye. Ou qu'on s'est cherché, pour que non glorifié, pour que non exalté, pour que tout genou capable fléchir devant, pour y adorer comme le seul vrai Dieu. N'apprendons éclater puissance. Soufflez souffle guérison, soufflez souffle délivrance, libérez petit tout, débloquez ça, Satan bloqué, et que non capable glorifier en retour. Alléluia. Au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, n'a prié victoire. Au nom du sang versé de Jésus de Nazareth, n'a prié libération, n'a prié délivrance. Oh, nous voulons assurance qu'autant de cris. Voilà pourquoi nous voulons dire béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, le Dieu des miracles. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous répond. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous pardonne. Béni soit l'Éternel, le Dieu qui nous protège contre le virus mortel. Béni soit l'Éternel. Le Dieu de l'impossible. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Ou t'es branché à l'heure de la délivrance. Il y a un programme qui passe sur réseau yo chaque soir. Du dimanche au vendredi, de 11h à minuit. Zanmim, minuit, c'est l'heure de la délivrance. La prière de minuit a une grande efficacité. Si vous sentez que le programme ça fort du bien, continuez à partager la membre famille, 11 amis, en coworker. Bye au numéro 1. Et ou même leur monter sur Facebook. Partagez page nan à 11 amis qu'on gagne. Et on va content. Lorsqu'on allez sur YouTube. Eh bien, cliquez aimer. Inscrit. Afin que à chaque fois vidéo en fin préparée, vous capable de joindre dans la boîte directement. Et vous capable de revivre. Bon moment ça. Eh bien, je souhaite qu'on capable de traverser une bonne nuit. C'est des serviteurs, pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Et m'a dit au revoir. Les yeux vers la patrie, suivons Jésus jusqu'au divin
chers amis qui sont encore branchés sur Facebook. Eh bien, nous serons plus que vainqueurs lorsque le Seigneur l'y arme nous. Eh bien, amis, il faut que je prenne congé de vous-même. Nous souhaiterions faire encore bonne soirée, bon sommeil et à demain soir pour un programme pareil. Au revoir. Nous serons